qui sonne, c'est bon, je suis stèle. Les citoyens se battent contre le système. T'es pas mon pote, rien ne sert d'insister. Moi, je pense qu'à l'argent, me demande pas si je t'aime. Et là, je suis frais, genre du bâtiment. Je fais les choses calmement. J'ai pas d'amour à donner à toutes ces dames. La seule restera ma maman. J'ai mon caprisson, c'est bon, je suis stèle. Les citoyens se battent contre le système. T'es pas mon pote, rien ne sert. Yo les potos, c'est Walmix. Donc, je dégage une nouvelle vidéo pour sur le titre, les gars. Nous allons parler de la bike life. Donc, les gars, si vous voyez ma gueule qui est comme ça, c'est bah, tout simplement parce qu'il est un peu 2h34 du matin, tout simplement. Donc, bah, je suis éclaté en fait, j'ai fatigué. Je vous tourne la vidéo, j'ai le montage juste après à faire. Et puis voilà. En fait, en parlant de montage, je change complètement ma façon de faire mes montages. Je passe d'un téléphone à un PC. Donc, dites-moi ce que vous préférez avant ou maintenant. Normalement, je serai plus travaillé maintenant. Alors vous allez me dire, ouais, pourquoi tu parles de la bike life, je sais pas. J'étais en train de rouler, en train de rentrer chez moi. Je me suis dit, tiens, je vais parler de la bike life. Donc il y a des gens qui seraient peut-être du même avis que moi, ou certainement d'autres qui le seront moins, ou pas du tout. Mais chacun son avis. Moi, qu'est-ce qui m'a donné envie de commencer la bike life? Ce qui m'a donné envie, c'est de voir les gens rouler, lever devant moi. Au début, je voyais ça, je voyais, waouh, trop stylé de ça. J'essayais, j'y arrivais pas. J'ai abandonné. Comme plein de choses que j'essayais de faire et que j'ai abandonné. Ensuite, j'ai connu Ismaël. Et Ismaël, je l'aurais élevé. Pour moi, c'était waouh. Du coup, j'ai voulu le suivre. Bah, ouais, j'ai bien fait. Parce que aujourd'hui, bah, je suis content. Au début, je le voyais lever. Après, il m'a fait découvrir les gens qui faisaient des tricks. Là, je me suis dit, ah ouais, what the fuck, moi, jamais j'arriverai à faire ça, tout ça. Il m'a dit, bah, essaye, entraîne-toi, tu verras, tu y arriveras. Et genre, pour moi, j'y croyais pas. Et du coup, bah, j'ai commencé à m'entraîner avec un 520, ta gueule toi. Avec un 520, j'ai commencé à lever avec un 520 pendant 3 mois, donc du mois d'octobre vers décembre, un truc comme ça. Ensuite j'ai acheté un 1600 à Alexis, mon pote. Et à ce moment là j'ai eu plein de critiques. T'as acheté un 1600, tu sais pas lever, c'est du gâchis, pourquoi t'as acheté ça, nanana. Les pièces que tu mets dessus, c'est de la merde, ça sert à rien, vu que tu sais pas lever et tout ça. J'ai eu plein de critiques comme ça. Mais je les ai pas écoutées, je les ai laissées comme ça derrière moi. Je les ai laissées derrière moi et je me suis entraîné jour par jour, jour. Et j'ai tout fait pour m'entraîner et aujourd'hui j'en suis là. Et aujourd'hui, je suis fier. Franchement, je suis fier parce que pour un an et deux mois, je pense que je me débrouille bien. J'avais envie de vous parler un peu de Paris, de l'ambiance, tout ça. Donc moi l'ambiance de la bike life à Paris, je trouve ça super bien. Genre il y a une bonne ambiance, tu rencontres des gens, tu te fais des potes, tu peux faire des clips pour Insta, des photos, des plein de choses. Et un peu en Insta en plus, vous pouvez me suivre sur mon Instagram, il s'affiche en bas ici. Franchement, je vais sortir des edits, des photos, tout ça, des trucs travaillés. Enfin j'essaye. Les potes, donc n'hésitez pas à me suivre. Et je disais comme quoi on faisait des bonnes rencontres et franchement là, vraiment cool. Au début, j'avais pas très confiance parce que tu vas vers un truc que tu ne connais pas, du coup, t'es pas trop confiant. Mais à force, tu t'y fais. Et moi, au départ, j'avais peur d'aller à Paris. C'est peut-être con, mais j'avais peur d'aller à Paris parce que peur d'oublier son train, peur de. Je sais pas, de se faire voler son vélo, peur de. Je sais pas, il y a plein de choses qui font que. Et moi, le plus que j'avais peur, c'était de louper mon train. Parce que rester dehors à Paris, tout ça, c'est pas trop. Parce que Paris, en fait, il y a deux modes de vie. Le jour et la nuit. Et c'est très très différent. Et Paris, c'est dangereux à certains moments. Il peut y avoir des agressions, des trucs comme ça. Du coup, c'est sur ça, j'étais pas très rassuré. Et moi, les seules fois où j'allais à Paris, c'était pour floquer des maillots, pour emmener mon frère à la gare, ou des trucs comme ça. Et jamais j'avais découvert Paris comme ça. Et maintenant, de rouler comme ça sur Paris, je trouve ça formidable parce que moi je trouve ça un nouveau mode de vie pour moi et il me convient. Moi aujourd'hui je suis passionné par la bike life, j'arrêterai pas. Je vais continuer à m'entraîner jour et jour. Des jours et nuit je me suis couru. Donc je vais m'entraîner jour et nuit. Et je vais m'entraîner jour et nuit à m'entraîner tout simplement. Et puis voilà. C'était Walmix, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Suivez-moi sur Instagram, likez. Partagez à vos potes, commentez. Si vous me donnez vos avis, du coup, moi, ça me fait plaisir. Qu'ils soient neutres, cool ou pas bon.
bah, je les prends quand même en compte et ça me permet d'améliorer mes vidéos. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'était Warnix. Peace.